Salut tout le monde. Tout ce qui fait dans le monde, c'est COB. Ou besoin voyager, c'est COB. Qui donc, COB, c'est un bagage qui est vraiment important dans le monde. C'est ça qui fait maintenant avec nous 10 COB qui pichent dans le monde. Là. Numéro 10, dollar américain. Dollar américain, c'est le COB États-Unis. Précisément, c'est un COB mondial. C'est le COB qui est plus populaire dans le monde. Là. Et c'est le COB qui est plus changé dans le monde. Là. C'est un COB qui est vraiment remarquable dans le monde. Là. Et tout le monde saisit là où elle est classée en 10e position comme COB qui est plus cher dans le monde. Là. Numéro 9, le franc suisse. Le franc suisse, c'est un COB en Suisse avec un petit pays qui est le Liechtenstein. Le franc suisse, c'est le premier COB qui s'est payé avec dollar américain. Là. Nous connaissons nous qu'à saisir, mais la Suisse c'est un pays qui est plus stable et c'est un pays tout qui est plus riche dans le monde. Et le franc suisse, c'est le 7e COB qui est plus changé dans le monde. Selon la Banque mondiale, un dollar américain a bailli 0,98 centimes franc suisse. Numéro 8, euro. Euro c'est un COB qui est créé pas tellement longtemps, mais il est légalisé dans plus que 19 pays. Et c'est un COB qui est plus utilisé dans le monde. COB euro a figuré dans un paquet de pays, tout court. La France, l'Allemagne, l'Espagne, et c'est le deuxième COB qui peut changer dans le monde. Là. Je dis à, un dollar américain a bailli 90 centimes euros. Et jusqu'à présent, euro a essayé qui peut changer dans le monde. Là. Numéro 7, dollar des îles Caïmans. Dollar des îles Caïmans, c'est un COB national dans l'île Caïmans. C'est un territoire britannique et c'est situé dans les Caraïbes. Devise qui c'est KYD, un dollar américain a bailli 0,83 centimes dollar des îles Caïmans. Numéro 6, l'île de Gibraltar. La l'île de Gibraltar, c'est COB Gibraltar. COB Gibraltar plus changé avec COB qui est le livre sterling. Et par conséquent, Gibraltar a utilisé tout des COB s'il voulait. COB Gibraltar est le GIP. En dollars américains qui a acheté 0,81 centimes livre de Gibraltar. Numéro 5, la livre sterling. La livre sterling, c'est le 5e COB qui est plus cher dans le monde. COB ça a une considération énorme parce que c'est le 4e COB qui est plus changé dans le monde. Il représente 12,8% dans le marché échangé. Et d'après la Banque mondiale, un dollar américain égale à 0,75 centimes livre sterling. Numéro 4, le dinar jordanien. COB national jordanien, c'est dinar jordanien. COB a été créé en 1950 et a été remplacé par la livre palestinienne. Et je dis, c'est le 4e COB qui est plus cher dans le monde. Et d'après la Banque mondiale, un dollar américain a bailli 0,61 centimes dinar jordanien. Numéro 3, le rial omanais. Le rial omanais, c'est un COB traditionnel. Le rial omanais, c'est un COB qui piche dans le monde. En raison des pétroliers, la vente dans tout le monde. COB rial omanais a créé le OMR. En dollars américains, bail 0,38 centimes rial omanais. Numéro 2, le dinar Bahrain. Le dinar Bahrain, c'est un COB arabe qui gagne dans l'islam. Valeur COB a égal avec COB rial omanais. COB a créé le BHD. En dollars américains, bail 0,38 centimes dinar de Bahrain. Numéro 1, le dinar Corinthien. Dinar Corinthien, c'est le COB qui est plus puissant dans le monde. COB a été créé en 1960 et il y a des pays qui servent avec dans le monde. Arabie Saoudite avec Irak. Richesse était vraiment alimentée avec pétrole et tabac dans tout le monde. Devise qui c'est KWD, en dollars américains a bailli 0,30 centimes dinar Corinthien. C'est tout ça que je vous pour vous dans la vidéo. Si vous avez aimé, pas négliger de mettre un like, abonnez à la chaîne. Ciao, ciao pour une autre vidéo.